Bonjour et bienvenue dans l'édition des prévisions de vendredi. Le ralentissement de la croissance britannique dû à l'affaiblissement de la croissance économique au sein de la zone euro est susceptible de peser lourd sur la livre dollar. John Radford, le chef analyste chez Worldwide Currencies, me rejoint par téléphone pour en parler. John, bienvenue sur Ducascopy TV. Commençons par vos prévisions de court terme à la marque de 1,57. Qu'est-ce qui vous suggère un tel chiffre ? Si nous analysons le graphique de moyen terme, nous verrons l'impact du dollar renforcé. Toute fourchette comprise entre 1,6250 et 1,64 est tout à fait logique vu la précarité politique qu'on a vue ce matin et le sterling qui a fortement reculé par la suite. Je crois que la première cible qu'on va attendre sur le sterling sera au niveau de 1,57-1,5750. De toute façon, il sera inférieur à 1,60. En revanche, la cible de 6 mois se situe aux environs de 1,55-1,5650. Nous sommes susceptibles de voir la paire s'échanger aux alentours de 1,54 dans les 6 mois qui vont suivre. Je ne crois pas que la Banque d'Angleterre sous-estime le risque potentiel de l'inflation. Comme la zone euro reste le principal partenaire commercial du Royaume-Uni, le ralentissement de la croissance européenne pourrait menacer le renforcement des données économiques britanniques que nous avons observées tout dernièrement, notamment les données de l'emploi. Selon le FMI, cette reprise était bien visible au Royaume-Uni et la performance du pays devrait être meilleure que dans le reste des pays occidentaux. Cependant, le rallye positif du dollar continue et donc d'ici 3 mois, nous pourrons voir le niveau de 1,57 et dans 6 mois, il se peut qu'on voit le niveau de 1,55. Il faut dire que la performance de la livre sterling sera sans aucun doute meilleure que celle de l'euro compte tenu de la politique monétaire courante menée par la BCE qui pousse l'euro plus bas. Vous venez de mentionner certains risques pour le sterling sur le moyen terme vu le renforcement du dollar. Il ne reste que 6 mois avant les élections. Est-ce bien le facteur clé qui vous fait penser au chiffre de 1,55? Vous savez, les événements récents sont censés exercer une influence de courte durée. Personne ne s'y attendait et en résultat, nous avons vu une incertitude accrue. Cela a entraîné des turbulences car le marché n'aime pas toute forme d'incertitude. Compte tenu de ce qui précède, je me servirai de n'importe quel niveau dans une fourchette comprise entre 1,6250 et 1,64 en tant que d'une opportunité propice à la vente. Vu la réaction aux actions prises par la BOI, on dirait qu'il serait problématique d'attendre ces niveaux. Néanmoins, j'envisage toujours la surperformance du sterling contre l'euro. Il n'y a pas très longtemps, on le vendait à 0,75. De plus en plus de vendeurs de la livre sterling apparaissent sur le marché. Parlons de vos prévisions pour 12 mois. Vous envisagiez les niveaux entre 1,53 et 1,56. Quelles forces motrices en seront en cause pour la livre dollar ? Je pense que cela a tout à voir avec le renforcement du dollar qui se passe en parallèle avec la politique de la BCE. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose que les États-Unis puissent faire pour ne plus importer de pression déflationniste de la zone euro. Je suis sûr et certain que l'affaiblissement continu de l'euro va contribuer au renforcement du dollar. Toute baisse du dollar de courte durée pourrait provoquer de l'intérêt acheteur. Tous les signes apparents suggèrent le déclin de l'euro et l'effet d'entraînement sur le sterling. En plus, les élections prévues dans 6 mois seront également en mesure de nuire aux perspectives du sterling ainsi qu'à celles du dollar américain. John, merci pour vos commentaires. C'était un plaisir de vous parler. Cela conclut l'édition des prévisions de vendredi. Une nouvelle édition sera disponible lundi. Je vous souhaite un bon week-end.